Plus de son. Hey, one, two, one, two. Salut tout le monde. Ça vous plaît? La nouvelle devise de la maison. Ici, nous avons réussi les deux. Rien ne marche. Et personne ne sait pourquoi. Elle est pas mal, celle-là. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue pour ce numéro 18 de la série. On vient d'avoir une interruption d'image et de son, bon, truc incroyable, complètement imprévisible, dû, je pense, à la connectique cette fois-ci, enfin, on aura tout eu. Mais on y est, on est en train de rétablir les choses. On va savoir si le son est bon. C'est bon. Alors on peut y aller. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Salut les anciens, Laurent Houtan, Bruno, Anna, ah, Naka, on a Gabriel, ah, il est en Forêt-Noire en Allemagne, ah, ça doit être sympa, et Denis a bien saisi la blague. Un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien, absolument. Chopin, tu m'endors. Ah bah dis donc, attends, on va te mettre autre chose qui va te réveiller aujourd'hui, tu vas voir Bruno. Son et image OK, c'est une excellente nouvelle. Merci Patrick et merci pour tes messages super sympas. Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Oh, impromptu. So you are a philosopher? Alors attendez, je vais peut-être lancer une caméra. Regardez, je lance une caméra supplémentaire. Comme ça, on l'aura également. Non, ça n'a pas marché. Attends, je vais faire ce qu'il faut. Oui. Là, voilà. Tac. Et tac. C'est formidable. On va aussi filmer là. Filmer, c'est ça. Non, vous filmez. Voilà. Allez, on est bien. Tout va bien. Alors, écoutez, bonjour de Grenoble. Denis, la technique, ça a l'air compliqué. En fait, normalement, tout marche, mais c'est vrai qu'il y a toujours des surprises tout le temps. Et juste avant de prendre l'antenne, entre guillemets, hop, plus rien, plus d'image. Alors, il faut faire le check de tout, et c'est un petit peu stressant, mais enfin, bon, on finit par s'y habituer. Mais oui, c'est très compliqué, ouais, parce que c'est pas non plus du matériel hyper pro de télé, tu vois. Mais voilà, ça y est, ça marche. Ouais, c'est tranquille. Ok, donc ce qui est difficile en technique, c'est d'identifier la cause du problème. Ben, la cause du problème, elle est identifiée. C'est presque des histoires de connectique, tout d'un coup, il perd le contact. Enfin bon, des choses pas très intéressantes, on s'en moque. On va parler de trucs beaucoup plus sympas. Alors la semaine dernière, on est parti sur le show, le spectacle que j'ai créé qui s'appelait
Antoine Hervé complètement stones. D'ailleurs, vous avez été nombreux à montrer des réactions très très positives sur ce truc. Et j'avais envie d'en présenter un autre aujourd'hui. Alors, c'est Sympathy for the Devil, le truc incroyable de Mick Jagger, qui a été écrit juste après mai 68, donc une période de révolution, de colère, et finalement, on se retrouve un petit peu dans un contexte qui n'est pas loin aujourd'hui, si ce n'est qu'à l'époque, moi j'avais 9 ans et je me souviens que c'était beaucoup, mais beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Je me souviens de rues totalement calcinées, toutes les voitures sur le toit, les rues complètement dépavées. C'était quand même, ouais, beaucoup plus violent en fait. Malgré la propagande sur les chaînes qui explique qu'ils ne parlent que de violence, c'est juste une poubelle qui brûle. En 68, je peux vous garantir que ça ne plaisantait pas. En tout cas, ça a été une période de colère énorme, et les Rolling Stones avaient une façon d'exprimer cette colère à travers leur musique, et c'était génial. Moi, j'adorais, j'adore toujours, et mon frère adorait, j'en ai déjà parlé. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, dans la musique, on peut exprimer énormément de choses et il faut faire, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Hein. Quand vous faites un spectacle de danse, une expo photo, quand vous faites un concert, une création, une composition, ce qui compte quand même, c'est aujourd'hui, hein, c'est le sens. Parce que depuis, on va dire, le début du XXe siècle, on s'est intéressé dans l'art beaucoup au sens qu'avaient les choses. Et dans Sympathy for the Devil, le sens est très présent et très clair. Alors, c'est un pamphlet, en fait, qui dit, en général, le diable, c'est pas l'autre, le diable, c'est vous, c'est moi. It was you and me. Alors, c'est assez marrant parce que Mick Jagger va prendre à témoin les violences du monde en parlant comme si c'était le diable. Il est habillé en diable, il incarne le diable pour dire « Regardez, je suis le diable, mais vous aussi, on est tous le diable. » petit à petit, pendant le morceau, il va se mettre de plus en colère. Il termine dans le suraigu avec sa voix incroyable. Et à la fin, c'est terrible, parce qu'il dénonce. Alors, il parle du Christ, il parle de Ponce Pilate qui a pris soin de se laver les mains avant de sceller le destin du Christ. Il parle de Nicolas II de Russie, de sa fille Anastasia Nikolaïevna de Russie, qui a été assassinée. Il parle des Kennedy. Au départ, il parlait de Kennedy, le président. Puis hop, ils ont assassiné son frère. Alors, ils ont changé les paroles au dernier moment, et c'était les Kennedys. Et c'est quand même teinté d'une... C'est un peu politisé comme parole. Mais c'est une colère générale pour dire « le diable existe dans ce monde, mais c'est tout le monde, c'est chacun d'entre nous ». Ce qui est assez intéressant dans la façon d'aborder les choses de Mick Jagger. Alors, ils ont commencé leur chanson sans savoir ce qu'ils allaient faire. Mick avait juste ses paroles et sa mélodie déjà. Une mélodie très simple, on va le voir après, on va tout décortiquer, vous allez voir. Le batteur Charlie Watts, qui est un batteur... que j'affectionne beaucoup, c'était pas comment dire, fallait pas chercher chez lui le côté technicien de Steve Gadd ou d'André Ceccarelli, vous voyez, c'est l'inverse. C'est un batteur qui avait un groove massif, très au fond du temps, avec un gros son, et qui, efficace, voilà, qui faisait complètement tourner l'affaire, c'était fabuleux. Et dans ce morceau, il a emprunté à Kenny Clarke, au style de Kenny Clarke, dans Night in Tunisia, emprunter sa façon de gérer les choses. Il n'a pas fait la même chose, mais il s'est inspiré de ça. Et c'est donc de l'American, on va dire du Latin jazz, c'est l'afro, c'est l'Amérique latine. Il y en a qui disent samba, moi j'entends pas beaucoup de samba, mais vraiment, ouais, de l'afro, quoi. Il y a les congas qui sont arrivés à la fin, il y a des maracas, c'est plus caraïbe, dans la version originale, il y a tout ça. Et on a, à la fin, un morceau qui est devenu un chef-d'œuvre et un tube mondial. Hein. C'est classé 26e plus grande chanson mondiale de tous les temps. Enfin,
Waouh, c'est quelque chose. Et dans les 500 premières chansons, il est 25e ou 26e à checker, mais c'est incroyable. Cette chanson est très, 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 très valorisée dans le monde. Ça fait un énorme succès et ça a été repris dans l'album Get Yaya's Out. Donc, au départ, c'était Beggar's Banquet. Je parle sous votre contrôle de mémoire, mais je pense que c'est ça. J'ai tous les albums en vinyle chez moi que m'a légué mon frère. Donc, j'irai vérifier, puis pour le plaisir, me repasser une petite galette vinyle, parce que le son est quand même sympa. Vous savez, le son d'un vinyle n'est pas sympa par rapport au son d'un compact disque, hein, c'est une légende. C'est en fait que quand ils mixaient à l'époque des vinyles, ils avaient une façon de mixer qui était quand même plus sympa qu'aujourd'hui, ou dans la période des années 90, quand le CD est apparu, ils se sont mis à mixer avec beaucoup de compresseurs, beaucoup de choses qui rendaient les choses un peu agressives. C'était pas dû au CD, hein, c'était dû à la mode du son de l'époque. Et ça, j'ai appris ça par un technicien et je trouve ça très intéressant. Voilà. Parce que j'ai longtemps cru que c'était à cause du CD et qu'il y avait une bande passante diminuée par rapport au vinyle. Mais non! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Charlie Watts n'avait-il pas été batteur de jazz? Oui, bien sûr, c'était un batteur de jazz et il a recréé depuis des big bands à Londres et tout. Oui, il adore le jazz. C'est bien ce que je pensais. Sympathy, c'est un faux ami, ça veut dire compassion. Alors, impromptu, j'ai regardé sur un traducteur et il y avait marqué sympathie en français. Sympathy, sympathie. Alors, c'est ouais, compassion pour le diable, mais pourquoi pas? De toute façon, ça veut dire à peu près la même chose. Hein, on rentre en vibration, on comprend, on adopte. Bon, on est d'accord. On a une. Alors, par quoi je vais pouvoir vous commencer? Déjà, il y a les paroles, le texte qui est vraiment sympa et qui, lui, est inspiré d'un roman de Mikhaïl Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Donc, ça, les premières phrases sont directement inspirées de ce roman. Je l'ai toujours dit, hein, dans les samedis du jazz, on n'invente rien, hein, on recrée. On fait évoluer et on s'inspire. On ne crée pas from scratch, from nothing, de rien du tout. Les gens qui ont voulu créer from scratch se sont un peu plantés. Je pense notamment aux sériels dodécaphoniques qui ont voulu faire table rase pour dire, voilà, moi je réinvente la musique. Et puis ben, 20 ans après, ils ont occupé tout le terrain. Mais finalement, cette musique est complètement tombée en désuétude parce qu'il n'y a pas de lien avec ce qu'on connaît. Donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas prendre avec ce qu'on connaît. Et c'est une tour de Babel égotique, finalement, qui a généré ça et qui est tombée complètement dans l'oubli, ce que je trouve assez drôle et qui conforte l'idée qu'il faut être en lien avec son passé, parce que qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Voilà. Alors, please allow me to introduce myself. Permettez-moi de me présenter. I'm a man of wealth and taste. Je suis un homme de bien et de goût. Ah, c'est le diable, hein, qui parle, on va l'apprendre après. I've been around for a long, long year. Ça fait très, très longtemps que je suis dans le coin. Stole many a man's soul to waste. Et j'ai volé beaucoup d'âmes humaines à gâcher. And I was around when Jesus cried. Alors j'étais dans le coin quand Jésus-Christ had his moment of doubt and pain, a eu son moment de doute et de douleur. Made damn sure that Pilate, et j'ai fait en sorte que Pilate washed his hands and sealed his fate, s'est lavé les mains et a scellé son destin. Alors, pleased to meet you, le refrain. Ravi de vous rencontrer. J'adore que le diable soit poli. Le diable est toujours très poli. Hein. On dit en français, on dit trop aimable pour être honnête. Hope you guess my name. J'espère que vous avez deviné mon nom. Parce que quand même, c'est une star, le diable. Attention. Et puis Mick Jagger aussi, c'est rigolo, il s'identifie au diable. But what's puzzling you? Puzzling, je pense, ça veut dire mais ce qui vous fait, ce qui vous énerve, enfin, ce qui vous met mal à l'aise. Puzzling. It's the nature of my game. C'est la nature de mon jeu. C'est à quoi je joue, vous voyez? Alors après, c'est parti. I stuck around Saint-Pétersbourg. Alors j'étais à Saint-Pétersbourg quand Anastasia a été assassinée. Et ça monte. Et la colère va monter. Alors, bah, j'ai voulu faire un cover dans mon spectacle. C'est des covers. Et j'ai voulu reprendre
ce morceau, mais en modifiant complètement les paramètres. Je me suis dit, écoute, la première chose, on va parler maintenant mélodie. La mélodie est très très simple, se joue sur très peu de notes. Donc, vous connaissez avec les paroles, c'est « Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste ». Donc, vous avez trois notes. « I've been around for a long, long year, stole many a man's soul of to waste ». On est sur trois notes, taladi, taladi, et quand t'es jazzman et que t'es au piano, que tu vas arranger la chanson, t'as trois notes. Ah, mais oui. Donc il faut faire, comme disent les Asiatiques, d'une faiblesse une force, d'un problème une opportunité. Donc, en l'occurrence, je vous ai déjà parlé dans un cours avant des notes communes. Ah, bah alors là, les notes communes, je vais me régaler, puisque j'en ai plein possibles, je peux les colorer de mille manières, ces trois notes-là. Ça m'arrange. Après, le pont, c'est pareil. « Please to meet you !» Alors, on ne sait pas si c'est ré dièse ou mi, parce qu'il fait « please », et il lance la note avec un effet de bend vocal, c'est-à-dire de glissando. Donc, « Please to meet you !»« Hope you guess my name !» Et là, il va où quand même, Mick Jagger? Bon, moi, j'ai un peu de mal, je suis plutôt baryton. « But what's buzzing you is the nature of my game. » Là, on retourne sur la, sol, si, du couplet. Donc, le refrain monte d'une tierce. Alors, on est dans un ambitus d'une sixte mineure, sol dièse mi. C'est à peu près dans cet intervalle-là qu'a lieu toute la chanson. Bah, petit à petit, Mick Jagger prend une voix de plus en plus en colère, chante de moins en moins et hurle de plus en plus, mais à sa façon, c'est extraordinaire, j'adore Mick Jagger, sa façon de chanter, sa présence scénique. On est dans le rock and roll, et il y a des super bons côtés là dans le rock and roll. Et moi, ce qui m'embêtait quand on demandait, mes frères me demandaient de jouer du rock avec eux, c'est qu'il n'y avait que trois accords. Alors je me suis vengé, et j'en ai fait plein des accords, je me suis lâché sur ce coup-là. Alors vous allez voir, on parle maintenant d'harmonie, d'harmonisation. Comment je peux harmoniser un truc comme ça ? La première chose, quand je disais tout à l'heure qu'il faut donner du sens, c'est ce que moi je vais privilégier là-dedans, et dans ma musique en général, c'est l'émotion. Parce que l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'être humain, et en plus, motion, c'est cinéma en anglais, motion, mouvement. Émotion, c'est ce qui fait bouger les montagnes, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous montre qu'on est toujours vivant. On a une émotion, on est vivant, on la partage, on rassure l'autre, on peut même se créer soi-même des émotions pour se rassurer qu'on est vivant, vous voyez. Or, l'émotion qu'il y a là, c'est une des plus puissantes, après la peur, hein, qui est la plus puissante, d'ailleurs, il y en a qui s'en sont aperçus. La colère arrive derrière, et c'est justement ce qui se passe en ce moment. Donc, on a, dans la colère, une méga puissance et beaucoup de tension. Hein. Vous avez déjà vu, vous avez peut-être déjà cassé de la vaisselle, ou c'est très très jouissif de casser de la vaisselle. Alors, l'émotion va être donc puissante et tendue. Donc je vais rechercher dans mon arrangement de la puissance, là je parlerai de l'orchestration, mais je vais chercher des tensions, là je vais parler de l'harmonisation. Or, l'harmonisation, je vais commencer avec, c'est mi majeur, normalement, l'accord de basse, mais je vais le placer sur sa tierce. C'est déjà un petit peu bancal, un petit peu tendu de le mettre en bas. Et je vais rajouter le 2, fa dièse. Vous voyez, c'est un mi fa. Alors j'explique l'accord très simplement, on est dans l'harmonie maintenant. Ici, on a un accord de mi. Donc vous connaissez l'accord de mi, mi, sol dièse, si. Quand on ne dit pas mi mineur, on dit mi tout court, c'est mi majeur. Convention pour faire simple. Donc on a un accord de mi. Mi, sol, dièse, si. Bon, bah c'est très simple, je vais... vous voyez mon sol au milieu, tiens, je vais le balancer en bas. Ou alors, non, on va faire plus simple. Ça, c'est mon mi que je balance en haut, ça fait premier renversement, sol, si, mi. Et allez, je balance mon sol en bas pour avoir plus de coffre, plus de puissance. Et je vais même le doubler. Pas tout de suite, on verra après ça.
et je vais faire cet accord-là. Sol, fa dièse, si, mi, fa, si. Alors vous pouvez lire ça de deux manières harmoniquement. Soit c'est un sol dièse mineur 6, mais pour moi c'est plus un mi, mi 2, donc mi, fa, si, sur la tierce. Sol, et je redouble. Fa, si, mi, fa, si. Pour des raisons de power chords, pour avoir de la puissance, comme j'expliquais. Donc voilà comment je construis mon démarrage, qui est un petit peu surprenant, qui est puzzling. Et merci de nous avoir signalé que, Patrick, que puzzle, c'est confus. Donc on crée quand même, on commence un morceau avec un accord sur sa tierce, c'est confus, ça tombe bien, on est dans le thème, on donne du sens à tout ça. Faut que tout aille dans le même sens. Ensuite, alors please allow me to introduce my... Alors, le do dièse mineur, me paraît myself, et je résous un peu la tension avec un fa dièse mineur 7. Donc, do dièse mineur 7, mineur 6, et fa dièse mineur 7. Vous voyez, j'ai créé une tension, une autre tension, je détends un peu. Et maintenant, je vais utiliser le La comme note commune pour créer un truc un peu mystérieux, Fa majeur dièse 11. Un peu magique, un peu étrange, un peu inquiétant. La gamme de Fa, donc, lydienne, c'est-à-dire les tout longs. Donc, il y a un Si bécard, la carte augmentée du Fa majeur dièse 11 ou dièse 4, whatever you call it. Ici, et là encore un sol majeur. Alors j'attire vos attentions sur l'éloignement tonal de ces deux accords est incroyable. On était en mi majeur, il y a 4 dièses, fa, do, sol, ré. Donc 4 dièses à la clé, 4 dièses, 4 dièses, plus rien. Que des bécards. Et là aussi, sol. Alors avec un sol 2, très rock. Dessus. Vous voyez, ça donne. Et alors, comment on fait? Par le chromatisme à la basse, je retrouve mes 4 dièses et je refais la même chose. I've been around for a long year. Alors, cette fois-ci, je vais changer, je vais pas faire long year, la même chose. Je vais faire I've been around for a long, long year. Je fais un sol bécard et l'accord La7 Suspended 4 que j'adore, très années 80-90, ok, et très Bjorn Cobb. Voyage, et tout le jazz rock des années 70 utilise beaucoup cet accord. Je pense à Weather Report, je pense à un tas de gens incroyables, Al Jarreau, tout le jazz rock de l'époque, et on l'entend encore aujourd'hui. Le disco l'a énormément utilisé, cet accord-là. Donc La, Sol, Si, Ré, Fa, La. Vous pouvez penser un Sol majeur 7, Sol, Si, Ré, Fa dièse, La, sur La. Sol sur La. Sol majeur sur La, ça marche aussi. Ou alors vous pensez La, Sol, Si, Ré, Fa, ça fait 1, 7, 9, 11. 13, donc la l'hyperstructure, en anglais upper structure, de la 7. Very good. Vous connaissez cet accord maintenant. Et alors maintenant, j'ai terminé I've been around for a long, long year. Et là, il stole many a man south to west. Alors là, je vais faire un accord extrêmement tendu et que je veux passer en bémol, quoi. Ré bémol majeur. C'est pas ré bémol majeur, en fait, c'est fa sur ré bémol. Ça s'appelle une triade sur tonique. J'ai fa et ré bémol. Alors on peut l'interpréter aussi comme un ré bémol majeur 7 avec la quinte plus augmentée. Mais pour moi, c'est plus ça. D'ailleurs, je continue. Many a man's soul. Avec un mi bémol en note de passage basse, toujours sur un fa, donc ça fait... Et là, je résous
au demi-ton chromatique, ce que j'ai fait déjà tout à l'heure, sol, sol, dièse, mi bémol, mi bécard. Et j'arrive enfin sur la tonique du mi majeur, mais avec une tension, c'est que j'ai coincé la quarte ici, qui va avec le sol dièse de la mélodie, qui est la tierce, créer, vous entendez, une sacrée friction. Donc, mais je l'arrange un peu avec une quinte en bas, voilà, c'est un mi majeur avec sa quarte. Cet accord, je vais l'utiliser quasiment dans tous les morceaux, je vais en faire mon leitmotiv harmonique dans tout le spectacle. On va entendre cet accord très souvent, je l'aime beaucoup, c'est mon apport fétiche, vous voyez ? J'adore improviser sur cet accord-là. Voilà, c'est une basse. Et au-dessus, je construis un accord majeur sur sa quinte, sur le deuxième renversement. Donc, fa, sol, do, mi. Ça, c'est un do sur fa. Je vais l'utiliser un peu partout pour donner un lien harmonique, pour créer du lien entre les morceaux et avoir une cohésion sur l'ensemble du spectacle. Voilà. Un peu comme un leitmotiv. Hein. J'ai toujours fait ce genre de choses. Alors, je fais ça deux fois, bien sûr. Hein. Il y a « I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hand and sealed his fate. » Deux fois la même couleur. Alors vous entendez que les couleurs sont chatoyantes, passent complètement d'un univers à l'autre en très peu de temps et créent quelque chose d'instable et d'un peu et de tendu finalement, ce qui est le but pour coller à l'idée de Mick Jagger de ses paroles. C'est quand même le diable, hein, on va pas s'amuser à jouer. C'est pas le diable ça. On est d'accord, donc vous voyez que la musique peut exprimer plein de choses différentes. On peut aussi exprimer le suspense. Ok ? On peut exprimer le danger, les dents de la mer. On peut exprimer l'orage, les petits oiseaux. On peut exprimer 10 milliards de trucs avec la musique, rien qu'avec des petits bouts. Et c'est ça qui est la richesse de la musique, c'est la connecter aux émotions, la connecter aux situations et surtout lui donner du sens. Pas juste plaquer des accords, il faut aller plus loin, rien que pour avoir l'envie d'en jouer et avoir de l'inspiration qui va avec. Alors, on passe au couplet maintenant. Pleased to meet you. Alors, on reprend... je reprends l'accord que j'avais là. Sauf que là, c'est... Mais la mélodie a changé de note. Elle redouble la fondamentale. Donc, ré, si, do, fa. C'est un si majeur 2 au lieu d'être 3. Et la tierce est en bas. Pleased to meet you. Alors là, sur Hope you guess my name, je vais... C'est un mi. Pleased to meet you. Qu'est-ce que vous auriez fait sur... Le mi, hop, guess my name. Qu'est-ce que vous entendez? Moi, j'ai entendu ça. Hop, guess my name. Ouais, un fa majeur avec, comme tout à l'heure, avec la quarte augmentée, mais cette fois-ci, j'ai la neuvième ou la seconde en dessous, donc un sol sur fa. Sol sur fa avec la septième à la mélodie, là, c'est un vaste accord de fa majeur lydien, toutes les touches blanches. Si je me trompe pas, parce que là je parle et je suis pas forcément toute la mélodie, on va voir, on le refait. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Je détends sur name, do dièse mineur 7, et là je sors complètement avec un sol 7 sous 4 cette fois-ci, qui était déjà présent au début. Et je reviens sur What's passing you? Et maintenant, je vais pas faire ré bémol ré mi, je vais faire ré bécard. It's the nature of. On détend un peu l'ambiance. It's the nature of my game. Et là, à nouveau, l'accord fétiche
l'accord. Que tout à l'heure, je vous expliquerai comment j'improvise dessus pour le modifier avec la blues note. Et je vais commencer à créer un truc encore plus tendu à la fin de la chanson à travers l'improvisation. Mais pour l'instant, on reste sage, entre guillemets, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de tension. Donc ça fait... Pleased to meet you, hope you guess my name. What's puzzling you is the nature of my game. Again, pleased to meet you. Hope you guess my name. What's passing you is the nature of my game. Whoa. On va faire de la puissance bientôt là-dessus. Voilà pour l'explication harmonique. J'espère que vous avez bien. J'espère que vous avez bien compris à peu près l'esprit, comment ces couleurs viennent. Il faut jouer la mélodie pas mal de fois et puis les entendre. Entendre ce que ça va donner et chercher les notes. On entend quelques notes et on complète, vous voyez. C'est une question d'oreille interne. En même temps que d'associer un petit peu la technique avec ça pour essayer de... quand même de respecter la structure harmonique, parce que j'ai commencé donc les piliers harmoniques, je commence sur le mi, sur la tierce, assez doux, comme j'ai montré tout à l'heure, et je termine sur l'accord fondamental avec cette quarte en dissonance. Et sur le refrain, je commence sur la dominante si avec la tierce à nouveau en bas, la même chose, et je termine encore sur mi avec la tension. Vous voyez, ce sont les quatre pylônes harmoniques qui doivent encadrer une bonne compréhension de la structure et qui va permettre après d'improviser dessus, parce qu'il faut aussi que votre grille serve, ça c'est dans le jazz, à harmoniser votre chorus, enfin à vous appuyer dessus pour chorusser. On est d'accord. Alors maintenant, comment on va se débrouiller pour orchestrer ça pour obtenir la puissance de la colère. D'abord, le batteur va être très prolixe. Il s'agit de Philippe Garcia, dit Pipon, le même batteur que la dernière fois. Ici, il a fait tout le spectacle, bien sûr. Et alors, lui a une technique phénoménale. C'est un ancien percussionniste classique qui a été timbalier pendant quelques années à Ankara et à Istanbul, allez savoir pourquoi, et qui s'est mis définitivement au jazz. C'est vraiment un génie de la batterie. Il était avec Truffaut pendant des années, avec Michel Benita. Et il a même développé, il adore le dub, il a développé un système, un kit électronique autour de sa batterie qui lui permet, avec des samples de big band, de faire croire qu'il est en train de faire un énorme solo de batterie dans un big band. C'est juste phénoménal. Il faut aller l'écouter. Ce type est un genius. Il est très à l'écoute. Il est sans arrêt en train de regarder soit le bassiste, soit moi. Vous le verrez dans la vidéo, parce que je vous passerai le morceau tout à l'heure. C'est franchement un batteur que j'ai énormément apprécié et qui est capable de jouer dans plein de styles. Et en ce qui concerne faire un son, alors lui, il sait faire. Il a une puissance phénoménale. Alors, je vais interrompre une petite seconde. Non, mets-moi l'image. Voilà. Oh, regardez. Parce qu'en fait, il faut que je relance ma caméra. Donc, je relance ma caméra. Vous êtes prêts? C'est reparti. Enfin, peut-être. Clic, clic. Clic, clic. Et voilà. Et c'est reparti. On peut revenir sur... Voilà. Ça me fait mourir de rire, ce truc-là. On a découvert ça sur Internet. Enfin, c'est pas de moi, hein. Mais c'est vraiment drôle. Bonjour, bonne année à tous. Ça donne envie de réécouter Fat Albert Rotunda. Oh, here I come.
Une analyse d'Herbie Hancock. Oui, oui, c'est vachement bien, Herbie Hancock. C'est intéressant, hein, c'est super. Ah, il y en a qui arrivent maintenant. Daniel, il n'est pas réveillé, il a encore son café, il l'a bu de travers. Salut Daniel. Bon, tu sais, on a déjà pas mal débroussaillé le début. On a parlé des paroles, on a parlé du message, on a parlé de l'émotion qui prédomine, de la colère. On a parlé de la mélodie qui est très très simple. On a parlé du coup de comment harmoniser une mélodie très simple en donnant des couleurs inattendues et en créant la tension qui va bien. Et maintenant, on va parler de l'orchestration. Donc j'ai parlé du batteur. Le batteur qui est capable d'énormément de puissance et parce que c'est quand même la batterie qui crée la dynamique dans le groupe, hein, surtout dans un big band. La batterie est l'élément qui permet d'aller très haut dans la dynamique en jazz, en rock évidemment. Mais en rock, il y a aussi les guitares électriques et les amplis, hein, qui sont là. La contrebasse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en mi. Les tonalités du rock sont des tonalités de guitare. C'est-à-dire, les guitares, vous savez, c'est mi, la, ré, sol. Mi, la, ré, sol. C'est en mi basse, quoi. Les cordes à vide sont des cordes de mi, la, ré, sol, si, mi. Et la contrebasse, c'est la même chose en bas. Il n'y a que quatre cordes. Mi, la, ré, sol. Des fois, il y en a cinq. Le do ou le si grave. Mais là, la, ré, sol. Donc ces tonalités sont des tonalités en dièse, d'accord ? En dièse, mi majeur, 4 dièses, la majeur, 3 dièses, ré majeur, 2 dièses, sol majeur, 1 dièse. Alors que dans le jazz, ok, c'est du bémol. Pourquoi ? Parce que les saxophones, les trompettes sont en si bémol dans le jazz. Ça veut dire concrètement que lorsque vous jouez un do sur un sax soprane, la note qu'on entend qui sort est un si bémol. C'est un instrument transpositeur. Lorsque vous jouez un do sur un saxophone alto, la note qu'on entend, c'est un mi bémol. Donc c'est un sax en mi bémol transpositeur. Et après, c'est pareil pour le sax ténor, mais une octave plus bas. On entend un si bémol grave, et pour le baryton, c'est pareil, on entend un mi bémol grave, ici. Et les trompettes, c'est comme le sax soprane, c'est un ton en dessous, donc des trompettes en si bémol. Donc forcément, le jazz joue sur le bémol, il y a plus de cuivre, et le rock... Ça dérouille les doigts. Là, on a une pléthore de dièses, et donc, on a les cordes à vide, et je reviens, après mes digressions nombreuses, je reviens sur la puissance, la contrebasse, quand elle fait une corde à vide, la corde basse très fort, elle est à plein volume, elle ne peut pas faire plus fort. Donc, quand on termine « It's the nature of my game », basse, le piano joue l'accord ici, reproduit avec la pédale ici, et là j'utilise des très grands accords sur le piano avec la basse qui joue ses cordes à vide avec énormément de puissance également. François Moutin peut être extrêmement puissant. Je me souviens au Casino de Paris avec l'Orchestre National de Jazz, on avait Peter Erskine à la batterie, le batteur de Weather Report, et François avait terminé un solo, il avait tellement attaqué son mi corde à vide qu'il a fait sauter le chevalet. Bling, tout a sauté, la contrebasse était pétée. Alors bon, il a tout posé, il a pris la basse électrique, et Peter Erskine était mort de rire, parce que franchement, pour arriver à péter une contrebasse comme ça au doigt, faut y aller très fort, hein. C'est quand même très rare. Bon, ceci dit, vous avez des violonistes classiques qui cassent des cordes, des pianistes qui cassent des cordes, mais bon, quand on casse une corde au piano, c'est que ça fait longtemps qu'elle était prête à casser. Hein. C'est pas forcément... Ça peut se casser sur une note très, très, très douce. Mais en tout cas, la puissance, c'est d'obtenir de l'instrument le maximum de puissance sans taper. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il faut pas...
taper le piano. C'est pas beau, ça casse le son. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se sert du poids des avant-bras, du poids des bras, et on tombe comme ça. Je sais pas si ça passe sur Internet, mais là, je suis tombé dans le piano sans dureté, sans attaquer, et le son est beaucoup plus rond. Moi, je l'entends d'ici, il y a beaucoup plus d'harmonique. C'est vraiment une manière d'avoir la puissance sans la dureté. C'est ce qu'on recherche, c'est ça qui est difficile à jouer. Après, si vous combinez une batterie extrêmement prolixe avec des cordes graves plus le jeu de contrebasse qui joue au-dessus, plus les notes de piano en doublure de la contrebasse avec des gros accords sur tous les registres du piano, on y est, on est à fond, on est au maximum. Il se trouve que dans la version que je vais vous faire écouter, il y a également une chanteuse qui faisait le show avec nous et qui venait d'entrer sur scène sur ce morceau, qui pour l'instant chantait au vocodeur. Isabelle Poinloup, chanteuse qui a fait le conservatoire en classique, chante de l'opéra, mais qui est aussi chanteuse de rock. Vraie chanteuse de rock. Pas de jazz, de rock. Et donc, c'était intéressant de mélanger une chanteuse de rock avec notre univers jazz. Et là, elle commence à entrer en scène avec un petit vocodeur, je ne sais plus lequel, un petit clavier que je lui ai prêté, et elle va chanter en tenant des accords. Donc sa voix est démultipliée comme un chœur, et vous allez voir, ça donne encore une ampleur supplémentaire à la fin du refrain. Donc là, je vous ai tout dit sur l'orchestration qu'on va utiliser. Et donc, dans le jazz, la tradition, c'est qu'une fois qu'on a exposé... Alors, je commence, moi, par dire le texte. Je le dis. Je le chante pas, je le dis, pour faire un petit peu un côté spam. Et par contre, je chante le refrain. Mais malheureusement, le micro n'était pas assez présent, j'ai trouvé. Alors, on l'entend un peu. Et elle est avec moi, heureusement, en soutien, parce que c'est une vraie chanteuse. Moi, je ne suis pas un vrai chanteur. Ça m'empêche pas de chanter. Alors, on chante tous les deux le refrain et on termine sur cette harmonie-là. Et elle joue cet accord-là, mi, fa, si, donc qui fait partie des notes de sol, mi, fa. En fait, vous voyez que je peux disposer avec mes voicings quasiment toutes les notes de la gamme. Je ne sais pas laquelle je ne joue pas. Je ne joue pas le ré dièse, je ne joue pas le do dièse, mais je joue mi, fa, sol, la, si, pas do, ré. Donc c'est mi, fa, sol, la, si, réparti, regardez, dans toutes les positions. Il n'y a juste pas do dièse, ré dièse. Hein ? Bon, évidemment, vous connaissez cette couleur. Les harmonies, ce sont des couleurs, ce sont des tensions. On a parlé donc du vocodeur, de l'ajout du vocodeur pour prolonger la résonance du piano, puisque le piano est un instrument qui a un pic, et pic qui redescend, à son transitoire. Si vous analysez la courbe de volume d'une attaque de piano, vous avez un pic qui descend tout de suite, quelques millièmes de seconde, ça fait paf, ça fait ça. Alors lentement, ça monte très haut, ça redescend tout de suite, pas à peu près là, je sais pas, et puis maintenant ça va descendre tout doucement jusqu'à la fin, c'est la résonance. Donc je fais ça, et maintenant ça y est, ça décline. Très lentement. Plus le meilleur est le piano, plus lentement ça décline. Mais quand on perd, vous voyez, je perds du volume, là, j'ai plus de volume. Donc si je mets un vocodeur par-dessus, lui, il tient. D'accord ? Ce qui va donner encore plus de puissance, c'est qu'on va pouvoir faire durer le son du piano dans le temps avec un vocodeur qui tient les harmonies. C'est le principe des concertos pour piano et orchestre, mais aussi des synthés. Sur scène, on utilise les synthés pour faire ce genre d'effet. Mais en plus de ça, moi, au piano, je rajoute des accords, je continue à nourrir cette harmonie. Et on a donc, vous allez voir, une puissance assez satisfaisante sur ce thème-là.
Ensuite, donc, je disais que dans la tradition du jazz, on improvise après. Donc, pour improviser, je me sers évidemment des grands accords de piano. Alors là, on va regarder sur le clavier ce que ça donne. Parce qu'il y a, par exemple, sur celui-là. Alors, ce qui est difficile, c'est de changer les harmonies en même temps. Des mélodies d'accords pleins. Ici, je vais prendre des accords rootless sur ou pas. Là, j'ai réussi à caser ma fondamentale quand même, mais je suis pas obligé. Je peux la prendre comme ça. Le do dièse, je vais le prendre en quarte, do fa si mi. Le fa mineur rootless. Le fa majeur avec la fondamentale, donc j'ai plein de choix de main gauche dans l'harmonie, et ici, je fais une mélodie qui va dans l'harmonie des accords, mais en complétant les bonnes notes à l'intérieur pour faire un accord. Alors l'idée, c'est d'avoir les power chords sur le piano, comme dans les concertos romantiques ou russes, ou comme dans la salsa, où il y a beaucoup de musiciens de salsa, jouent comme ça, avec des power chords sur le piano. Rien à voir avec les power chords du rock. Ça, c'est des power chords, des quintes du rock. Bon, moi, j'utilise ce terme pour parler des grands accords de piano. Hein, j'ai des cours là-dessus sur mon site, vous pouvez aller voir. Ce sont des... Ce sont des grands. C'est un petit peu long à acquérir comme technique. Hein. On est vraiment dans un niveau, oui, assez élevé. Mais là, je vais pouvoir rentrer en discussion avec le batteur. Donc, je vais faire des. Je vais pouvoir faire. Et lui va répondre, il va me répondre avec moi. On va rentrer en dialogue et parfois on va même être complètement synchrone, homorythmique, et parfois en réponse. Donc là, je suis en dialogue avec la batterie, puisque c'est un chorus toujours en interplay, comme j'ai expliqué la semaine dernière sur Factory Girl. On échange, on est en train de faire un chorus collectif, bien, même si c'est le piano qui à ce moment-là est lead, j'appelle mes copains à jouer avec moi, à me répondre et à sortir du simple accompagnement, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs en l'occurrence. Et donc là, on commence à créer des duos, c'est comme des timbales, quoi, hein, sauf que je les colore avec les harmonies du moment. Donc ça fait beaucoup de choses à penser sur le morceau, parce que les harmonies sont inattendues, la grille est complètement incroyable, j'ai mis beaucoup de temps à la prendre, parce qu'elle n'est pas commune, quoi. C'est pas les feuilles mortes, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, un chorus sur la puissance, et à la fin de la montée, comme fait Mick Jagger sur la version originale, on monte, et à la fin, on termine avec un énorme mi. Et là, on va commencer à faire baisser très progressivement la purée jusqu'à plus rien. Et donc, on reste sur cette harmonie, on ne bouge plus. Et là, je commence à avoir un côté un peu triste, bluesy, avec le sol bécard. Les autres continuent à jouer. C'est une manière de, après cette colère, de faire venir un côté blues, un peu de tristesse, vous voyez, c'est une manière de prolonger l'émotion naturelle qui vient derrière la colère et de dire, et on termine avec une évaporation complètement de cette espèce d'ambiance surréaliste, diabolique,
et ultra puissante. Voilà comment le truc a été goupillé de notre côté, comment on a fait ce cover en partant des éléments des Rolling Stones, qui eux-mêmes sont partis des éléments de Baudelaire, qui sont partis des éléments de Kenny Clarke, des éléments, je disais tout à l'heure, de Michael Bulgakov. On a une continuité dans la création, ça j'adore. On est en lien, on est reliés ensemble. Oui, roast beef, faire baisser la purée. On fait, voilà, après un climax, c'est-à-dire un haut, un temps très fort, un maximum, un pic, c'est parti, on descend maintenant, on fait une résonance, comme une désinence de piano, comme un release, vous voyez, ça descend très doucement, et ça devient un petit peu plus poétique, mais en même temps tendu et en même temps bluesy, voilà, c'est ça l'histoire. Bien, alors, bah, il est temps maintenant de vous faire écouter le truc, et je vais essayer de vous faire des commentaires avec. Alors, évidemment, il faut pour ça, il faut que tout fonctionne. On va lancer, on va mettre l'intro de piano qui débute. Et c'est parti. Et je vais l'écouter. Vous reconnaissez les accords dont j'ai parlé tout à l'heure. Faudra que je parle un jour comment faire une intro. Bon, ça me permet d'avoir des sonorités très feutrées, très cool, beaucoup de dynamique entre très fort et pas fort du tout. Là, je fais rentrer la rythmique. Count Basie faisait beaucoup tourner la rythmique avant de lancer le morceau. Et il a raison. Voilà Philippe Picard. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I've been around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Met Dr. Pilate, washed his hand. Le batteur me suit, regarde, il lâche pas. Please meet you. Refrain. How to guess my name? Vocodeur, Isabelle. Who's posing you? It's the nature of my game. Please meet you. How to guess my name? What's posing you? It's the nature of my game. Tiens le son. Chorus. Commence à monter, monte dans le registre. Allez, les grands accords arrivent. C'est parti. Allez, on est à plein de puissance.
François Boutin dans ses œuvres. Allez, stop. Voilà. Grosse pêche finale, le pic, la blues note. La blues note. Corde à vide sur le mi et la contrebasse partout. Et glissando. Et là, je fais des sorties harmoniques pour calmer le jeu. J'emprunte à d'autres tonalités sur pédale de basse, sur pédale de mi. Et la blues note revient. Et la basse reprend la blues note. Vocoder. Chromatisme, tétonnement, on part dans l'espace. Moment de poésie. Et là, je reviens sur des accords plus rock pour finir. Et voilà. Tenez là, alors, cabo. C'est génial, et en plus le public est content. Donc ça c'est... Alors attendez, je suis reparti tout seul. Alors voilà comment tout ça est fabriqué. Je vous donne tous les recettes et les secrets professionnels. Il faut partager tout ça. Vous voyez, en très peu de temps, le nombre de choses qui se passent, l'interaction qu'il y a, la construction dynamique, la construction harmonique, le sens du début de la chanson sur la colère, sur on sent quand même qu'il y a beaucoup de tension. Voilà comment on arrive à tout faire en unité pour que ça devienne une unité. L'harmonie, les rythmes, etc., les dialogues avec la batterie, toujours l'interplay. On obtient ça, on obtient ce résultat. Donc je lis un petit peu les... Terrible, c'était où ? Je crois que c'était en Normandie. La première de ça, c'était chez Denis David. Et le centre s'appelait... Ça va me revenir. J'ai passé pas mal d'années à faire des leçons de jazz chez Denis David, qui était très sympa avec moi, qui m'a vraiment accueilli. C'était une résidence. Je fais énormément de leçons de jazz, et quand j'ai eu cette création, je lui ai dit, tiens, on peut la faire la première chez toi. Il a filmé, il m'a dit, ouais, pas de problème, bienvenue. Merci, Denis. On y est allé, et ça a été plutôt... c'est la première, hein. On connaissait à peine les harmonies, les textes qui allaient se passer. Voilà, c'est la première. Ça a beaucoup évolué depuis, bien entendu. Après, on a fait un album, et vous pouvez vous le procurer dans les... notification en dessous, j'ai mis un lien vers l'album. Le projet s'appelait Complètement Stones. C'est en trio, on n'avait pas encore la chanteuse à l'époque, avec les mêmes, avec Philippe Garcia, Moutin et moi. Et on est plus dans une production studio, avec des très très belles ballades des Rolling Stones, que j'adore. Moi je suis fan absolu. Et allez-y, écoutez cet album, c'est un des derniers que j'ai fait. Vraiment un très très bel album avec un son magnifique signé Simon Deras, mon ingénieur du son fétiche. Après beaucoup d'années, on finit par réunir les vraies bonnes équipes qu'on aime bien, et ça se passe de mieux en mieux avec le temps, c'est normal. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous étiez content. Je vous rappelle qu'il y a toujours dans les descriptions en dessous en lien un Tipeee si vous voulez honorer la cause. Et je remercie, alors je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quand même qui ont été très sympas et généreux depuis samedi dernier, depuis mon appel. Je les remercie collectivement. Il y en a qui maintenant ont compris que c'était pas mal de donner sur le temps, de faire un don régulier. Ça va aider, bien sûr. Donc, merci à vous. Merci de participer à la vie de cette idée-là. Je suis toujours en train de bosser sur l'idée des webinaires. Il faut que je trouve un système pour le diffuser. Je pense aller sur Vimeo, on va voir. Ça va venir.
tout va venir à point. Ce seront des cours par niveau, mais vraiment des cours de musique. Là, j'ai l'impression de vous expliquer tout un processus de création, finalement, qui passe par tous les stades qui permettent d'aboutir à une création finale. Alors, voilà, Gabriel in crying. For the Devil, sympathie en piano solo, George Blaze. Ben, pour vous dire au revoir, why not? On va apaiser. So bye bye, les amis, it's time. Et tiens, ce que je vais faire, je vais vous mettre the générique of fin. Attention, c'est parti!